Patrick le boucher a-t-il été tué? Cette étude fait suite à la première étude où j'ai montré et démontré par la science Al-Mubin, la science des mystères, que Patrick le boucher est mort depuis sa disparition il y a un mois, jour pour jour. Nous sommes le 12 octobre, il a disparu le 12 septembre. Pour moi, selon mon interprétation de la science des mystères Al-Mubin, il est mort au moment de sa disparition, à 66 ans. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui est-ce qu'il a été tué? Est-ce que la cause de sa mort est d'origine criminelle? Très bien. Donc nous avons quatre types de morts. Selon moi, il y a quatre types de morts. Les quatre morts, j'ai appelé ça. Donc première, j'ai pensé directement à elle, mort criminelle. La deuxième, mort naturelle. La troisième, mort accidentelle. La quatrième, mort par suicide. Très bien. Donc nous allons apprivoiser les quatre morts pour voir laquelle correspond à la disparition de Monsieur Patrick Le Boucher. Et je suis vraiment désolé pour sa famille. Toutes mes condoléances. Donc, mort criminelle dont la langue des nombres premiers sont et avec les rangs. Vous êtes habitué, codification qui passe par les nombres premiers, la fameuse codification, la voilà, je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Vous utilisez n'importe quel système, n'importe quelle codification, ce que vous allez voir va se reproduire, va se répéter de manière infinie, intarissable, renouvelable, fractale. Mettez le type d'adjectif que vous voulez. Donc mort criminelle, dont la langue des premiers sans les rangs, mort criminelle, dont la langue des premiers avec les rangs. On se prépare. Application. Donc mort criminelle, très bien. Le total. On s'intéresse à cette différence. Lui moins lui égale à lui. Ça veut dire quoi? On se pose la question, quelle est la somme des rangs? La différence des deux, là, la soustraction va nous donner la somme des rangs. Et on a déjà dit N fois que la science des mystères Al-Mubin est basée sur les nombres premiers, leur rang et les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Très bien. Donc, la différence égale à 193. Maintenant, Patrick le boucher, dont la langue des premiers sont et avec les rangs. Très bien. Application sur le nom-prénom Patrick le boucher. Idem, on fait la même chose. Donc, observez bien. Les deux totaux. Je divise par le 114 et le 23. La ligne ici, les restes de la division euclidienne. Le seul premier, c'est lui. Le seul nombre premier, c'est lui. Il a comme rang 4. Très bien. On fait la même chose que pour la mort criminelle. Lui moins lui, ça veut dire le total des rangs, la somme des rangs. Donc, c'est 197. Observez le seul rang. 197 moins 4 égale à 193, le nombre qui pointe vers la mort criminelle. Vous allez peut-être dire, ce 4-là est un coup de hasard. Pas de problème. Observez. 57 plus 7 plus 26 plus 10 égale à, plus 20 égale à 110. Nous avons un nombre qui fait parler de la totalité des nombres de l'univers. Il s'appelle le 114. Le 114 moins 110 nous donne le 4. Et 197 moins 4 égale à 193. Pour une deuxième fois, vous pouvez dire peut-être que c'est le hasard. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai sommé. Maintenant, je vais retrancher. 57 moins 7 moins 26 moins 20, observez bien, égale à 4 comme par hasard. 197 moins 4 égale à 193, le nombre qui pointe vers la mort criminelle. Et la validation, elle est là. La totalité, la somme de tout ça, égale à la signature, la validation, la raison d'être, le pourquoi du comment.
le nombre qui fait parler tous les nombres, d'accord, sur lequel est basée la science des mystères Al-Mubin. Très bien. Maintenant, mort naturelle. Imaginons, il est sorti faire du sport, il a commencé à méditer les paysages et il meurt de manière naturelle. Très bien. Donc, mort naturelle sans les rangs, mort naturelle avec les rangs. Application sur mort naturelle. Très bien. On arrive ici, comme on a fait tout à l'heure. J'applique, je divise par le 114 et le 23, les restes de la division, et le seul nombre premier, c'est lui, avec son rang. Très bien. On fait la même chose. Lui moins lui, ça veut dire la somme des rangs. La somme de ses rangs. Parfait. Égal à 166. Et observez, le seul nombre premier, c'est lui. 19 plus 8 égale à 27. 166 plus 27 égale à 193. Le nombre qui pointe vers la mort criminelle. Et 166 moins 27 égale à 139. Je divise par le 114 et le 23. Reste. 25 plus 1 égale à 26. Inférieur à 114, je peux le diviser par le 23. Ici, c'est le reste de la division. Il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Maintenant, la somme de tout. Observez. La somme de tout ça. OK ? Égale à 199. 199 moins 3 moins 2 moins 1. Encore une fois, 193 qui pointe vers la mort criminelle. Parfait. Maintenant, observez. Rappelez-vous que lui était la clé ici. Ici, le nombre premier était la clé. Donc, nous allons isoler les trois nombres. Donc, la somme des trois nombres égale à 172. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Celui qui a codé a insoufflé, a dit, a ordonné à ce nombre d'être premier. Il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme est 80, n'est-ce pas? Ce 80, qu'est-ce qu'il cherche pour la validation, la signature? Il cherche le 34, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce 139 qui a fait le travail ici et qui a ramené le 193. Ce nombre-là, le 139, est un nombre au premier qui a comme rang 34. 80 plus 34 égale à 114 à la perfection. Et 58 moins 11 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1, ici nous avons sommé, maintenant nous allons retrancher. Égale à 36. Le 36, le 80 a travaillé avec le 34. Le 36 va travailler avec le 34. 36 plus 34 égale à 70, n'est-ce pas? Le 70, qu'est-ce qu'il cherche pour la signature? Il cherche le 44. Sachez que le 193, qui pointe vers la mort criminelle, est un nombre premier qui a comme rang 44. 70 plus 44 égale à 114. La signature est parfaite. Parfait. Maintenant, mort accidentelle dans la langue des nombres premiers sans et avec les rangs. Donc, mort accidentelle sans les rangs, mort accidentelle avec les rangs. Parfait. Application sur mort accidentelle. Je pose et je fais la même chose. Lui moins lui égale à lui. Très bien. Donc, ça veut dire la somme des rangs égale à quoi? 189. Maintenant, on reprend Patrick Le Boucher. D'accord? On le pose. Parfait. Rappelez-vous du rang 4. Observez. 189 qui vient de la mort accidentelle, plus le 4, comme par hasard, égale à 193. Phénoménal, non? Qui pointe vers la mort criminelle. C'est-à-dire les nombres et tout est codé pour nous dire non, elle est obligatoirement criminelle, cette mort. Selon mon interprétation de la science, de la programmation, la science des mystères. D'accord? Celui qui a une meilleure interprétation, je suis preneur. Très bien. Donc, maintenant, nous avons fait 189 plus 4. Nous allons retrancher. 189 moins 4 égale à 185. Je divise par le 114 et le 23. Ce sont les restes de la division. Lui, il est premier, il a comme rang 20. 71 plus 20 plus 1 égale à 92. Parfait. Maintenant, 57 plus 7 plus 4. Égale à 68. 26 plus 20 égale à 46. Vous êtes d'accord que le 92 cherche quoi? Il cherche le 22, n'est-ce pas? 68 plus 46. 68 plus 46. C'est-à-dire la somme ici, d'accord? Et la somme ici nous donne, nous l'avons déjà vu, égale à 114.
Maintenant, 68 moins 46 égale à 22. 92 plus 22 égale à 114. À la perfection. Et 92 moins 22 égale à 70. Le 70 cherche quoi? Il cherche le 44. Qui vient d'où? Il vient du pointage. Ça nous dit encore, levez la tête et regardez l'origine de la mort, la cause de la mort. Il cherche le 44. Le 70 cherche le 44 pour former 114. Maintenant, est-ce que Patrick Le Boucher s'est suicidé? Donc mort par suicide, dans la langue des nombres premiers, sans et avec les rangs. Mort par suicide, sans les rangs. Mort par suicide, avec les rangs. Et les premiers, il a comme rang qui a comme rang. Ok? Parfait. Application sur mort par suicide. Donc mort par suicide, le total, ici je prends le 739 sans les deux rangs, vous allez voir. Parfait. Donc observez. D'abord ici, lui moins lui égale à 194. Il faut 1 pour arriver à 193. Comme par hasard, il faut 1, n'est-ce pas? Donc observez le nombre premier ici et le nombre premier ici. Le nombre premier ici, 89 plus 24 égale à 113. 113 est premier, il a comme rang 30. 114 moins 113 égale à 1 comme par hasard. Égale à 1. 194 moins 1 égale à 193. Et 194 moins 1 égale à 193. À la perfection. Maintenant, observez bien. Cette ligne principale, la ligne des races de la division, 89 plus 16 plus 55 plus 3 égale à quoi? Égale à 163, n'est-ce pas? Et 163, c'est quoi? C'est les deux rangs, 131 plus 32, comme par hasard, égale à 163. Le 163 est un nombre premier qui a comme rang 38. Et ici, la même chose. Très bien. Maintenant, 163 qui s'est imposé deux fois, plus le fameux 30 qui attend, comme par hasard, égale à 193. La mort criminelle. Et le 163 encore, plus le 30 qui attend, égale à encore le 193 qui pointe vers la mort. Observez. Maintenant, observez. 16 plus 55 plus 3 plus 2, puisque le 1 a travaillé avec le 194 et les deux ont travaillé ensemble pour ramener doublement le 193, maintenant, égale à 76. 76, pourquoi? 76 avec ce 3, 38 qui attend. 76 plus 38 égale à 114. Et 76 plus le deuxième 38 égale à 114. Et le fameux 113, la boucle va être bouclée obligatoirement. Le 113 ici, regarde ici, 113 plus 1 égale à quoi? Égale à la signature. Parfait. Maintenant, Patrick Le Boucher et les différentes morts. Donc, Patrick Le Boucher, mort criminelle, mort naturelle, mort accidentelle, mort par suicide. Ok. La somme, parfait. Et la somme, parfait. Donc, le seul nombre premier, c'est lui. Il a comme rang 21. Observez la beauté. 73 plus 21 plus 20 égale à 114. À la perfection. La signature directement. 101 plus 18 maintenant. Eux, ils ont travaillé. Il faut qu'on regarde ici. 101 plus 18. Le mode 114 et le mode 23. Chacun pointe vers l'autre. Et chacun cherche l'autre. 111 plus 18 égale à 129. Je divise par le 114 et le 23. Reste de la division euclidienne. 15 plus 14 égale à 29. 29 est premier, il a comme rang 10. Maintenant, observez. 111 plus 20 plus 73 plus 18 égale à 222. 222 moins 29 égale à 193. Comment est-ce possible? D'accord? Et le 193 est un nombre premier qui a comme rang 44. Très bien. Maintenant, 44, observez. 44. Plus 10, plus 21, c'est-à-dire la somme des trois rangs, les rangs de l'étude, leur somme, et il est égal à quoi? Il est égal à 75, comme par hasard. Pourquoi? Parce que le 75 veut nous dire, oui, c'est le 29 qui a résolu le problème. Le 222 avait besoin de 29. Observez, 29 plus 10 égale à 39. 75 plus 39 égale à 114, à la perfection. Parfait. Normalement, quand on arrive ici, il n'y a plus rien à faire, n'est-ce pas? Maintenant, moi, j'aime bien pousser le raisonnement à l'extrême. La première lettre de la mort de Patrick Le Boucher. La première lettre de la mort de Patrick Le Boucher. D'accord? Observez. La première lettre de la mort de Patrick Le Boucher. Ok? Sans les rangs, c'est un nombre premier qui a comme rang 221. Et avec les rangs, ok, la somme. Application sur la première lettre de la mort de Patrick Le Boucher,
sans le 221. Ok, donc sans le rang. Somme, somme. Je divise par le 114 et le 23. Ce sont les restes de la division. Et les premiers, là, comme rang 6. Et les premiers, là, comme rang 1. Observez. 13 plus 6 égale à 19. 19 et premier, là, comme rang 8. 19 plus 8 égale à 27. 87 plus 27 égale à 114. Il reste quoi? Eux, ils ont travaillé. Lui, il a travaillé. Il reste quoi? Il reste lui, lui et lui, n'est-ce pas? 1 plus 2 égale à 3. 3, la lettre C, première lettre de criminel, à la perfection. Lui, il est premier, mais il n'a pas n'importe quel rang. Ses rangs, c'est quoi? C'est 2 et 1. 2 plus 1 égale à 3, qui est le C de criminel, à la perfection. Maintenant, observez bien. 87, plus 2 plus 1, observez. Plus 3 plus 2 plus 1, d'accord? Égale à 96. Et 87, nous vous avons fait 87 plus 27. Maintenant, 87 moins 27, égale à 60. Parfait. Le 60, il va faire quoi? Il va regarder ici. Ce 1 qui n'a pas encore travaillé, d'accord? Qui attendait. 60 plus 1, égale à 61. 61 est premier, et là, comme rond 18. Le 18, c'est ce que cherche le 96 pour former le 114. Et 60, nous avons fait 60 plus 1. Maintenant, 60 moins 1, égale à 59. 59 est premier, là comme rond 17, qui a comme rond 7, qui a comme rond 4. Comme par hasard, la somme 87, vous vous rappelez de 87? 87 plus 27, encore une fois, égale à 114. À la perfection. Maintenant, 13 moins 6 moins 1. 13 moins 6 moins 1. Observez. Égale à 6. Et 87 moins 2 moins 1. 87 moins 2 moins 1. Observez. Égale à 84. 84 plus 6 égale à 90. J'applique. Il est inférieur à 114. Je divise par le 23. Ici, c'est le reste de la division. Observez la beauté. 90 plus 21 égale à 111. 114 moins 111 égale à 3. La lettre C, première lettre de criminel. Et 2 plus 1 égale à 3, encore la lettre C. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Observez, la somme de la totalité des rangs. Tous, sans aucune exception. Égale à 67. 67 est premier, et là comme rond 19, qui a comme rond 8. 67 plus 19 plus 8 égale à 94. Je divise par le 23 encore. Le reste est 2, qui a comme rond 1. 2 plus 1 égale à 3. La lettre C, première lettre de criminel. Et 2 plus 1 égale à 3. La lettre C, première lettre de criminel. À la perfection. Maintenant, observez bien. 94 plus 2 plus 1, on ne l'a pas encore fait, égale à 97. 97 est premier et là comme rond 65. Parfait. Nous avons fait 67 plus 19 plus 8 qui a donné 94. Maintenant, 67 moins 19 moins 8 égale à quoi? Égale à 40. Je fais la même chose que j'ai fait pour le 94. Je divise par le 23. Le reste de la division est 17. 17 est premier, là comme rond 7, qui a comme rond 4. Le 97, il cherche quoi? Il cherche le 17 pour la signature à la perfection. Maintenant, la somme des rangs après le 67, comme par hasard. Ça veut dire lui plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, d'accord? Plus lui, plus lui. Ça veut dire jusqu'au premier total des rangs. Comme par hasard, ça donne 67 pour reproduire la même chose, pour donner le 3, pour reproduire la même chose et pour donner la signature à la perfection. Maintenant, la première lettre de la mort de Patrick Le Boucher, mais avec le 221, avec le rang somme, ok, et somme. Je divise par le 114 et le 23. Les restes de la division, le seul premier, c'est lui, là, comme rang 1. Observez, comme par hasard, ça reproduit exactement ce qui s'est passé précédemment. 111, là, il y a Jana qui n'est pas contente. 114 moins 111 égale à 3. Parfait. 3, c'est quoi? La fameuse lettre de criminel. 2, 1, ok. 2 plus 1, encore une fois 3, criminel. À la perfection. Maintenant, 15 moins 6 égale à 9. 87 moins 2 égale à 85. 85 plus 9 égale à 94. Rappelez-vous du 94 qui s'est imposé deux fois tout à l'heure. Le voilà, encore une fois. Ça reproduit la même chose. J'applique Elmoubine. 2, 1, 2 plus 1 égale à 3, la lettre C, première lettre de criminel. J'aurais pu m'arrêter ici, mais je ne me suis pas contenté de ça. Je me suis dit, ok, moi, celui qui a codé, a voulu que dès le départ, j'ai posé comme ça. Mort criminel,
Mort naturelle, mort accidentelle, mort par suicide. Chaque mort a un numéro, n'est-ce pas? La mort criminelle a le numéro 1. Donc observez. Observez. C'était où? C'était où? Voilà, on arrive, on y arrive, on arrive, on arrive, voilà. Ok, ok, voilà. Numéro de la mort de Patrick Le Boucher. Numéro de la mort de Patrick Le Boucher sans les rangs et avec les rangs. Parfait. Application sur numéro de la mort de Patrick Le Boucher. Parfait. Les races de la division. Le seul premier, c'est lui. Il a comme rang 2 qui a comme rang 1. Observez la puissance. Il s'est isolé pour isoler ses nombres. 58 moins 12 moins 22 égale à 24. J'applique El Moubin. Je divise par le 23. Le reste est 1 à la perfection. Numéro de la mort criminelle qui a comme numéro 1. Parfait. Maintenant, j'ai retranché. Je vais sommer. 58 plus 12 plus 22 égale à 92, n'est-ce pas? Parfait. Maintenant, 92 moins 2 moins 1 qui n'ont pas encore travaillé. Les rangs qui n'ont pas encore travaillé égale à 89. Encore une fois, le 89 est un nombre premier qui a comme rang 24 pour reproduire exactement ce qui s'est passé ici. 24, applique-lui, divise-le par le 23. Le reste est 1, comme par hasard, numéro de la mort criminelle. Et la boucle va être bouclée comment? 89 plus 24 plus 1 égale à 114. La question, quelle intelligence suprême a pu programmer les nombres pour qu'ils pointent à l'infini de manière intarissable, fractale, renouvelable vers le 193 qui est la clé de l'étude? Et quelle que soit la méthode que tu utilises, quelle que soit l'approche, quelle que soit la fonction mathématique que tu vas appliquer, je te défie. Je te lance un challenge, essaye ce que tu veux. Tu vas toujours te trouver avec le nombre 193. Maintenant, un petit bonus pour ceux, s'il y a encore des incrédules parmi nous. Celui qui a codé a voulu que ce fichier, je l'ai créé le lundi 11 octobre 2021, 14, 26, 7, n'est-ce pas? Vous avez la date et l'horaire de la création d'un fichier qui parle de Patrick Le Boucher, de la cause de la mort. Donc normalement, ce fichier, celui qui a codé, a pris en compte le fait que tout ce qui a un lien avec la cause de la mort doit pointer vers le même nombre, le fameux 193. Donc comme vous savez, 11 le voilà, 2021 le voilà, les nombres, 14 le voilà, 26 le voilà, 7 le voilà. C'est pas la première fois que j'utilise ce type d'approche. 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. 7 est premier, il a comme rang 4. Ok, somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Parfait. J'applique ce que j'ai l'habitude d'appliquer. Les races de la division. Très bien. Observez bien, s'il vous plaît. 42 plus 1, ça nous donne un nombre premier. Qui a comme rang 14. Et c'est en plus le numéro de... Il y a un marathon où Patrick Le Boucher, il a le numéro 43. C'est un sportif de haut niveau. Et normalement, il était parti faire du sport pour se préparer au marathon d'Amsterdam. Donc, il a, allez voir, il a, dans la première étude, j'ai utilisé son numéro 43. Donc, comme ça, vous savez bien, 43 est premier, là, comme rang 14. 27 plus 43 égale à 70. 114 moins 70 égale à 44. C'est le rang du nombre premier 193, le nombre qui pointe vers la mort criminelle. Il reste quoi? Il reste lui et lui, ça, c'est la signature, le 23. 9 plus 4. C'est le 23, à la perfection. Maintenant, 27 plus 9 plus 42 plus 1, la ligne principale égale à 79. 79 est premier et la comme rang 22. Parfait. 79 moins 22 plus 43 plus 14 égale à 114, la deuxième signature. Voici Al Moubin qui s'impose. Parfait. Application sur la date et l'horaire de la dernière modification. De la dernière modification de ce fichier. D'accord, la date et l'horaire, voilà. Donc observez bien, voici la modification. La dernière modification a eu lieu à 2h du matin, 35. D'accord. Là, il y a Jana qui veut venir voir son père, mais il est avec sa maman et son père est concentré. Parfait. Donc, 12, 2021, 2, 35, 8. Le seul premier, c'est lui, là, comme rang 1. Parfait. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Très bien. Les races de la division. Et regardez la beauté. La somme est 70. C'est bon, ça vous rappelle quelque chose. Ça reproduit exactement ce qui s'est passé ici. Exactement. Le 70, 114 moins 70 égale à 44. Le rang du nombre premier 193. Et je vous repose la même question.
méditons dessus. Allez, lisez-la, relisez-la, s'il vous plaît, méditez dessus.